Non, mais. Mais avec penser que, enfin, pour moi, je pensais que, pour le dire rapidement, puisque Dieu est mort, il n'est pas le premier à avoir insisté sur les, je dirais, les, enfin, il n'est pas le premier, mais il est vraiment celui qui a le plus insisté sur les effets dans la vie quotidienne de ce qu'on appelle ordinairement la mort de Dieu, que tout le monde connaît par. À chaque fois, justement, c'est une expérience tout à fait nouvelle et qui est le produit de toute une. Vous voulez créer avec même groupe un événement un peu à part, mais qui. Qui soit en lien avec notre présentation et profiter du fait qu'on a appris vos coordonnées grâce à Ayola, qui avait l'occasion de rencontrer Rita Klombrowicz, que Rita a invité sur Paris, et que donc elle nous a mis en contact avec Jean-Pierre, et que c'était vraiment une belle opportunité que de se retrouver en fait pour parler. Pourquoi c'était ça renvoie à une question un peu de fonctionnement de notre troupe. Le choix des pièces en fait se fait par un comité de lecture qui travaille pendant quelques mois sur des lectures de pièces. Qui finit par choisir de cette idée. Est-ce que le fait d'avoir été en contact avec Rita, ça a influencé il devait rire sous cap, évidemment, parce que c'était tous des jeunes filles, des bonnes familles. L'intérêt encourant est justement de, d'une certaine façon de voir. Allongé par terre, ça n'a aucune importance, vous aimez, c'est une anecdote. Mais allongé par terre, il a écrit, je ne sais pas comment. Explique-moi d'abord les perches, parce que tout le monde a tout le monde. Parce qu'en polonais, ce n'est pas karach. Comment ça s'appelle? Et ça ne veut pas dire perche. C'est ce qu'on m'a expliqué. Ça s'appelle, il y a un autre nom, je crois, pour dire. Et ce que je veux dire, dans les deux émissions de télé qui nous restent, où Vrovitch parle, bon, personne dans les journalistes de la télévision ne lui dit qu'est-ce que c'est que ce titre. Enfin bon, c'est une question facile, banale. Voilà. Et jusqu'à. Effectivement, je pense qu'il y a deux personnes, dont moi, qui ont à peu près simultanément donné la solution de la chose. L'autre s'appelle Michel Wolinski. À Varsovie, mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à il y a 3-4 ans, enfin, peu avant sa mort, la célèbre écrivain et critique littéraire new-yorkaise Susan Sontag a fait une préface. Mais la rue où il habite à Buenos Aires, l'une de ses adresses, c'est Bacacac, donc il prend le nom littéralement de la rue, et puis, que je sache, mais peut-être que vous allez dire que c'est pas le cas, c'est aussi une comptine polonaise, une berceuse. C'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez, et ça, c'est très Klombrowicz, enfin, d'utiliser, de prendre des choses qui sont à portée de la main, mais qui par ailleurs sont polysémiques, etc. Puis voilà. Il est un peu plus mystérieuse, et surtout, on n'arrive pas à découvrir quelle est vraiment l'origine. Ce dont je me rends compte là à l'instant, c'est que c'est ça fait quelque chose. Donc, on ne cherche pas à savoir ce que c'est. On n'a pas ce besoin, parce que ça évoque quelque chose, on ne sait pas quoi. On n'est pas en train de se demander mais qu'est-ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui marche, qui correspond quand même à quelque chose pour les Polonais. C'est la sonorité qui fait qu'on est déjà emporté et que voilà, il y a le démarrage qui se fait, on n'a pas besoin de dire plusieurs pays, parce que la pornographie c'était dans les années 60, et plusieurs éditeurs ont refusé de donner le titre pornographie. Donc, par exemple, en italien, c'est la seduzione. C'est pas bien, la séduction, qui est un bon titre de séduction, mais c'est pas le livre. Et ensuite, et les autres achètent ostensiblement, croyant qu'il y a de la pornographie. Je veux dire, par exemple, il y a un entretien, mais que j'ai quelque part dans mes archives, paru il y a très 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 longtemps avec Johnny Hallyday. Où Johnny dit « Ah, que j'ai lu la pornographie !» Alors, on lui demande quel est votre livre préféré. Il dit « Ah, la pornographie !» Et donc... qui a fait sa photo? Jean-Marie Vanier. Je pense que c'est l'un des... Page 383, c'est à la fin du journal 1940, etc. C'est Klombrowicz n'a pas cessé de remettre tout le temps sur le métier ce texte qui a sa forme la plus longue et la plus développée donc dans le journal définitif en 1956.
qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? C'est à la fois un manifeste littéraire où il explique pourquoi il est contre les poètes. Bon. Et à mon sens, moi j'aurais tendance à penser personnellement que c'est le centre théorique, métaphysique même enfin, de la pensée de Bromovitch, puisque on c'est l'illusion de la transcendance retrouvée dans la littérature. Donc ça, je pense, c'est la première chose. Enfin, il est contre la poésie, il s'explique longuement en disant c'est le dernier office religieux qui nous reste, hein, c'est la première phrase. Bon, il attaque violemment la poésie, bon, toute sa vie, je veux dire, dès Yvonne jusqu'à 1969, sa disparition et opérette. D'autre part, il faut voir, et là je m'adresse à vous qui êtes polonaise, il faut voir que la poésie pour un polonais, c'est bien plus ou bien pire, ou bien mieux. Que certainement, cette reine, c'était beaucoup sa mère. Sa mère qui se prétendait oublier que c'est une parodie de Shakespeare quand même. Et donc, c'est aussi la parodie de Macbeth. Lady Macbeth. C'est à la fois Lady Macbeth. Puis quand il lui dit en l'éditoire, elle se met tous les cheveux, c'est Macbeth qui se sent toujours coupable. Au lieu de se laver les mains, elle s'en est dit. J'adore cette scène, je crois qu'on aurait l'avait fait. Mais quand c'est bien joué, c'est très casse-cou. C'est une scène très casse-cou qu'on a un peu coupée d'ailleurs. C'est casse-cou, quand on est le public, ou de méprise. Mais quand c'est bien méprise, fait, ça les raccourcis, en fait, parce que ça nous a vraiment posé des problèmes. Et enfin, nous, on a toujours, surtout joué avec Evelyne, qui joue dans ce rôle, on a surtout joué sur l'idée de. L'idée, c'est d'un secret. Hein, c'est la chose. Il allait toujours au-delà, quand même. Mais oui, ça part de ça. Bien sûr, mais à travers la littérature. Mais vous savez, Bruno Schulz a dit que faire du doux est basé sur sa il était français à Paris, voilà, etc. Le groupe avait dit ou pensé la même chose. Quand Bromovitch arrive en France, il arrive dans une conjoncture absolument exceptionnelle, où ce qu'on appelle globalement le structuralisme est là au centre de tout. Cet auto-entretien est tenté explicitement par la figure de Foucault. Au même moment, on voit que Bromovitch écrit à Nadeau, est-ce que vous pourriez m'arranger un entretien avec Michel Foucault, je voudrais connaître ce mec, et il aurait intérêt à me connaître, etc. Et donc l'entretien de la quinzaine, c'est un entretien où il dit, comme il l'avait dit dans plein de textes auparavant et à plein de moments dans le journal, enfin tout ça est raconté plus en détail en l'occurrence dans ce livre, il avait dit qu'il était existentialiste avant ça. Bon, là il dit qu'il est structuraliste avant, mais il dit mon structuralisme, moi, n'est pas un structuralisme de la chair, C-H-I-R-E. Bon, mais mon structuralisme vient de la rue, vient de la réalité immédiate, vient justement de ce que j'ai appris dans les rapports entre les gens. Et justement, il renvoie toujours à Ferdinand Dürck, où il dit c'est dans Ferdinand Dürck qu'il vaut mieux vérifier. Que pour la première fois, on dit des phrases qui sont devenues le béaba de la pensée française des années 60, à savoir, c'est pas moi qui parle, mais ça parle en moi. Bon, phrase, si je vous dis ça, vous allez dire, d'accord. Bon, maintenant, c'est mon envie de faire du tout. Je dirais, si on a pas encore un existentialiste, voilà, exactement. Je sais pas, sa passion pour les jeunes paysans polonais qui son existentialisme, il y a quelque chose de très différent. Non, mais je pense que son existentialisme et son structuralisme sont très très différents. Et il est très proche, me semble-t-il, disons, du premier Sartre, celui de la nausée, celui de Duclos, mais pas du tout du Sartre qui justement va déclarer après la guerre, les communistes. Les...